Le prince William craint-il d'être en retard? En effet, ces dernières semaines, le prince de Galles a été aperçu avec deux montres, une à chaque poignet. Selon nos confrères du tabloïd Hello, l'époux de Kate Middleton porterait d'un côté sa traditionnelle montre Omega Sea Master 300 mètres, un cadeau de sa défunte mère, et de l'autre une Garmin Forerunner 245, une montre connectée multisport affichée au prix de 249,99 €. Ainsi, le futur roi allie le style et le sport. Grâce à cette montre connectée, le prince William peut suivre ses performances sportives et son rythme cardiaque. Pour rappel, le prince et la princesse de Galles sont de grands sportifs. Le premier a une appétence pour le foot, le rugby, le polo ou encore le ski. De son côté, Kate Middleton suivrait des cours de crossfit. Dans un entretien accordé à Au Féminin, en juillet 2022, Pierrick Jay, un spécialiste de la famille royale, expliquait « William est très sportif et s'y estime justement le sport qu'il a très rapidement rapproché de Kate parce que quand ils se sont rencontrés, ils allaient nager ou faire un footing ensemble avant d'aller en cours. » Supérieur à Kate Middleton et William souriant malgré les attaques d'Harry, leur sortie remarque est-elle mère, tel fils le frère du prince Harry n'est pas le premier membre de la famille royale à arborer deux montres. En 1981, à l'occasion d'un match de polo, Lady Diana avait déjà succombé à cette tendance. Seulement, à l'époque, ce choix était purement pratique. Et pour cause, elle portait sa montre et celle de Charles qui jouait au polo. Par ailleurs, des observateurs ont remarqué que la reine consort, Camilla, avait récemment troqué sa montre connectée pour un modèle du bijoutier Cartier. Article écrit en collaboration avec 6 Média Crédit Photo, agence.